Cette vidéo est sponsorisée par Blood of Heroes, un nouveau jeu d'action multijoueur développé par Visor Games qui lance sa bêta fermée pour les joueurs PC. Le jeu est placé dans un univers nordique, médiéval et dark, où les vikings se battent dans les arènes pour prouver leur droit d'être des héros de ce monde. Vous pouvez créer des guerriers féroces qui correspondent complètement à votre style de combat en profitant de 6 classes proposées en bêta et en faisant de bons choix lors du leveling. Vous pouvez utiliser tout un panel de compétences et d'armes, chacune plus impressionnante les unes que les autres, dans des combats intenses en quête de gloire. Blood of Heroes a visuellement une inspiration du côté de chez Dark Souls, que j'apprécie beaucoup personnellement. Cela nous offre des batailles PVP impitoyables et des guerriers sans pitié ni peur. Les héros peuvent vraiment correspondre au tempérament et au style du joueur, et donc vous pouvez être un viking sournois et agressif, ou au contraire, solidaire et protecteur. Le jeu sera disponible également sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que sur Xbox One et Series X à sa sortie plus tard dans l'année. Ce qui veut dire que la qualité n'est pas encore définitive, il sera donc meilleur à sa sortie. Vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vous rendre sur la page d'accès à la bêta fermée pour avoir la chance de tester le jeu dès aujourd'hui et découvrir par vous-même ce monde sanglant de viking. Pensez à passer par la chaîne YouTube du jeu pour avoir plus d'informations. Bonjour vous et bienvenue sur votre chaîne de review et d'édito préféré, Singe Pourpre. La news qui a fait du bruit dernièrement dans le monde du jeu vidéo concerne la société Activision. Il aurait été décidé qu'un de leurs studios, Toys for Bob, situé en Californie, s'occuperait dorénavant de fournir du soutien dans le développement et les mises à jour de Call of Duty Warzone, le free-to-play de la franchise sorti tout support confondu en mars 2020, au lieu de travailler sur leur propre projet. Alors, pourquoi est-ce que une affaire comme celle-là, qui de prime abord ressemble à quelque chose de l'ordre de la simple gestion interne d'une société, d'une grosse société, pourquoi est-ce que ça a fait autant de bruit? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se questionnent? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. En fait, c'est que Toys for Bob, c'est le studio qui nous a offert les jeux Skylander, le remake de Spyro, mais aussi le tout récent Crash Bandicoot 4, It's About Time, sorti sur PlayStation 4 et Xbox One en octobre 2020, ainsi que sur Switch et les consoles nouvelle génération, tout juste le 12 mars 2021. Des jeux avec pas mal de personnalité en fait. Et maintenant, le studio va travailler sur Call of Duty Warzone, qui, bon, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un énième Battle Royale free-to-play, très rentable, et très cool, hein, c'est vrai, mais qui n'a rien à voir avec l'identité et la spécialisation de Toys for Bob. Donc tout le monde s'inquiète que Toys for Bob en réalité soit mis au placard et ne fasse plus jamais que du développement de soutien. Un petit peu comme Ben Studio, mais on pourrait y revenir un jour sur Ben Studio. Et surtout la crainte derrière, c'est qu'à défaut d'avoir des nouveaux jeux, on ne voit plus jamais ceux qui avaient déjà eu du mal à revenir, comme Crash Bandicoot ou Spyro. Bon, heureusement, j'ai envie de vous dire, Activision a rapidement réagi, il a été annoncé que Toys for Bob s'occupe toujours de Crash Bandicoot 4 et que la licence reste toujours chez ce studio-là. Il ne sera pas confié à quelqu'un d'autre. Qui plus est, pas de licenciement annoncé, ça a été démenti très récemment, Toys for Bob sera maintenu, mais les forces seront dirigées ailleurs. Mais fondamentalement, ça reste quand même pas très rassurant au vu du passif d'Activision. Je m'explique. Créé en 1979, Activision fusionne en 2007 avec Blizzard, devenant Activision Blizzard, ajoutant donc à leur licence Guitar Hero, Call of Duty et Tony Hawk's Pro Skater les licences de Blizzard, World of Warcraft, Diablo, Warcraft, Starcraft. Ensuite, en 2013, l'entreprise devient indépendante de leur actionnaire majoritaire Vivendi. Depuis, elle est dirigée de main ferme par Robert Kotick. Aujourd'hui, c'est le plus grand éditeur de jeux vidéo, qui possède parmi ses licences les plus récentes Destiny, Hearthstone, Heroes of the Storm et Overwatch, mais aussi Candy Crush Saga. Ouais, Candy Crush Saga, parce qu'ils avaient aussi racheté King entre-temps. Activision est donc positionné sur tout type de marché du secteur. Jeux vidéo sur console, ordinateur, en ligne, mais aussi mobile. Mais ce qui va, entre guillemets, choquer, c'est que Activision va pas hésiter à remanier très régulièrement tous les projets, toutes les personnes également qui travaillent pour eux. N'hésitant pas à déplacer des gens, à fermer des studios historiques, voire même à licencier. Tout d'abord, il y a eu une vague de ventes et de fermetures pendant les premières années qui ont suivi la fusion d'Activision et de Blizzard. Entre 2008 et 2012, trois studios appartenant à Vivendi, l'actionnaire majoritaire du groupe à ce moment, ont été vendus et 9 studios ont été tout simplement fermés. Et depuis 2019, la firme est en restructuration. Comprenez par là que pas mal de têtes sont encore tombées. Parce que oui, visiblement, telle est la manière de faire d'Activision. Le groupe s'est séparé d'environ 8% de ses effectifs au début de 2019.
800 salariés quand même, hein, chez Activision, Blizzard, King et autres studios du groupe. Les locaux de Versailles et de La Haye ont été fermés en automne 2020, avec pas moins de 400 salariés licenciés. Une décision pour le moins incomprise, car il s'agissait des équipes chargées de la localisation, du marketing, de la communication et du service client pour l'Europe. Le studio Vicarious Vision, quant à lui, va disparaître suite à la fusion avec Blizzard Entertainment et ne pourra donc plus apparaître comme le développeur principal. Les employés de ce studio seront affectés sur pas mal de projets de l'historique Team 1 de Blizzard, qui a également été dissoute au début de l'année 2021. Une équipe derrière laquelle on retrouve des jeux comme StarCraft, World of Warcraft ou encore Warcraft 3. Si on n'a pas eu de commentaires sur cette équipe de la part d'Activision Blizzard, on peut supposer que c'est l'échec de Warcraft 3 Reforged qui a provoqué cette décision du groupe. Enfin, la tranche e-sport a été quand même pas mal touchée aussi récemment, avec une cinquantaine de licenciements chez Activision Blizzard, mais aussi jusqu'à 190 chez King, le studio de Candy Crush. Tout ça alors que Activision enregistre des résultats records depuis 2018 et que Bobby Kotick se fait un salaire de prince d'année en année, toujours plus choquant, on va dire. C'est justement ce qui est reproché à Activision, la gestion glaciale de leur effectif. Embaucher, licencier, c'est qu'une question d'utilité, de nécessité et d'optimisation à la précision chirurgicale. Être employé chez Activision Blizzard, ce n'est pas travailler, c'est survivre. Car tu sais vraiment jamais à quel moment la direction prendra une décision de charcuter ton studio ou de te mettre à travailler sur Call of, la licence la plus lucrative du groupe, au lieu de te permettre de créer des jeux différents. Différents d'un Call of Duty surtout. On sait d'ailleurs que depuis que Toys for Bob a été mis en support sur Warzone, tous les studios d'Activision travaillent sur la franchise d'une manière ou d'une autre. Ça se comprend, hein. Avec un nouveau Call of Duty tous les ans, ils ont bien besoin de développeurs pour assurer une sortie annuelle. Sauf que la réalité, c'est que techniquement, les jeux d'Activision, ça s'arrête pas à Call of, hein. Il y a plein d'autres univers, de types de jeux, mais aussi de fans qui adorent ces licences-là, qui peuvent être des produits complètement à l'opposé de Call of d'ailleurs, hein. Des jeux qui participent à la création de l'offre diversifiée sur le marché du jeu vidéo, qui arrive à combler tant de joueurs de tous les âges. C'est pour ça que les gens sont inquiets de cette gestion de studio d'Activision. Ils ont peur que le groupe va mettre la recherche du profit par-dessus tout, qu'ils vont laisser tomber les autres licences et qu'on ne verra plus jamais de suite, de remake, de spin-off, de jeux qui ne rapportent pas autant que Call of, quoi. Et en même temps, bon, ça se comprend plus ou moins, c'est dur pour une nouvelle licence ou pour même un Crash Bandicoot ou un Spyro d'arriver aux 3 milliards de dollars générés par Call of Duty en 2020. 80% de plus que l'année dernière. Alors pourquoi fermer ou absorber des studios quand on amasse autant d'argent ? Pourquoi pas les laisser travailler sur des projets divers et variés quand l'argent coule à flot ? Pourquoi licencier des centaines de personnes quand la société augmente encore et encore ses bénéfices et que Robert Kotick se paye des millions, tant de millions, que même les actionnaires se demandent si c'est raisonnable, pour vous dire. Non mais imaginez, on est à plus de 150 millions de dollars qui ont été versés à Bobby Kotick sur la fin de l'exercice fiscal d'Activision. 150 millions de dollars, ça représente le budget d'un gros jeu. Et c'est sûr que d'un point de vue moral, ça va pas du tout. Bon, le but, ça va pas être de blanchir Activision non plus, faut pas déconner, hein. On va essayer de donner un petit peu la parole au diable et d'essayer de voir comment est-ce que les hauts dirigeants d'Activision voient le truc. Ce sont des entrepreneurs qui travaillent pour une très très grande société. Ils ne calculent pas cette boîte en nombre de salariés ou en nombre d'équipes, mais en studio. C'est le studio qui développe tel ou tel jeu et qui apporte tel ou tel résultat. C'est le studio qui est responsable des échecs. C'est le studio qui a un projet ou qui n'a rien à faire. Pas les gens. Les employés, c'est de la trop petite échelle pour les hauts placés de Activision. C'est donc pour ça que quand le studio a fini son projet et qu'il n'y a plus besoin d'être impliqué à 100% dedans, et bah, s'il n'y a pas d'autres projets à venir tout de suite, autant qu'ils se rendent utiles ailleurs, hop, on les met sur Call of. Ça fait jamais de mal. C'est justement le cas du studio Toys for Bob. Le studio n'a pas atteint ses objectifs, pas de problème. On l'absorbe pour mieux profiter de ses forces et on le dissout. Et on licencie même pour donner les projets à un autre studio qui ferait peut-être mieux, on l'espère. Pour Activision, les gens, c'est des outils. Et quand ils savent pas qu'est-ce qu'il faut faire d'eux, ben ils les licencient. Ou ils ferment des studios. C'est cruel, humainement parlant. Mais c'est peut-être grâce à cette gestion impitoyable centrée sur l'optimisation et les résultats que Activision arrive à faire autant de profits. C'est même très certainement grâce à ça. On parle souvent sur cette chaîne du jeu vidéo comme d'une œuvre d'art, en opposition à son statut d'industrie vidéoludique. Bon, opposer des trucs,
C'est bien, ça fait rêver les ménagères, mais la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Un Sony, un Electronic Arts, un Nintendo, ça a une logique de rentabilité à prendre en compte, c'est vrai, mais force est de constater aussi qu'il y a un énorme respect du travail artistique. Certains studios prennent beaucoup de risques sur de nouvelles licences, et je pense notamment aussi, mine de rien, parce que ça a été pas mal critiqué ces derniers temps, à Sony qui a pas mal changé son fusil d'épaule en une dizaine d'années, et on a régulièrement une certaine latitude créative d'un studio à un autre. C'est toujours à la lueur du résultat, mais parfois non. Faut voir tout ça comme une jauge plus ou moins fluctuante. Activision donne cette impression d'avoir réussi à mettre en place un mode de fonctionnement qui étouffe la création, qui ne veut pas en fait de fibres artistiques. Elle automatise et brise constamment des alchimies qui pourraient malgré tout naître presque miraculeusement de cet environnement froid. La jauge d'Activision, quand elle monte trop du côté de la création, elle a tendance à se rabaisser vers le côté froid de l'argent, parce que la créativité trouve toujours un chemin, figurez-vous. Activision s'efforce donc de l'étouffer pour que prédomine la composante pécuniaire de leur business. Voilà pourquoi Activision, ça fascine mine de rien, ça questionne et ça inquiète surtout beaucoup. Surtout quand, dans l'histoire, c'est des studios et des personnes qui, historiquement importantes, menacent de disparaître. Bon, j'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus, ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez si vous jouez à des jeux d'Activision, comment est-ce que vous les trouvez, est-ce que vous avez trouvé intéressant cette sorte de résurgence de Crash, notamment avec Crash 4 ou avec la Ensign Trilogy ou les remasters de Spyro. Je suis un peu curieux de voir tout ça et de voir si... Si ça vous gêne au final cette gestion d'Activision aussi, parce que ça pourrait être intéressant d'en discuter. Les commentaires sont évidemment ouverts au débat, mais dans la bonne humeur et dans le respect, surtout c'est très important. C'était Ico pour Singe Pourpre, je vous embrasse, ciao.